surveille les bandits. Là, je surveille le bandit Franco. Bougez pas, vous allez casser la lunette de Kalinel, cacahuète. Le bandit Franco se dirige vers la salle de bain. Voilà, le bandit Franco est dans sa salle de bain. Je suis un bon policier, cacahuète. Maintenant, il prend un mouchoir de papier. Il se mouche. Le bandit Franco se mouche avec un mouchoir de papier. Vous voulez voir? D'accord, mais cassez rien. Vous voyez, cacahuète, j'avais raison. Il se mouche avec un mouchoir de papier. Quoi, t'as toujours raison, vive moi. Attention, il se dirige vers les toilettes. C'est ça, vers les toilettes. Le crime se prépare, catastrophe. Il se baisse, il lève le couvercle. Regardez, le bandit Franco lève le couvercle. Qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, il lève le siège. Le couvercle, puis le siège. Je le sais, il va noyer son mouchoir de papier dans la cuvette. Regardez. Vous avez vu? Il a tiré la chasse d'eau. Et plus rien. Heureusement que le très grand policier Quack Pommier surveillait. Ça ne se passera pas comme ça, vous êtes témoin. Nous allons arrêter le bandit Franco, mais pas tout de suite. Maintenant j'ai faim. Je vais manger et après nous allons arrêter le noyeur de mouchoir de papier. Ah! Et maintenant, je vais essayer mon nouveau super rasoir électrique. C'est ma dernière invention. Il est dans la pharmacie. Dans la pharmacie, dans la pharmacie. Voilà. C'est un rasoir qui rase tout seul. Vous le mettez devant vous et... il vous rase. Voilà. Et maintenant, vous enlevez le verre du porte-verre. Vous mettez le rasoir sur le porte-verre. Et vous dites « rase-moi ». Rase-moi ! Il ne veut pas me raser. Qu'est-ce qui ne va pas, Ah, tu n'aimes pas le porte-verre. Il préfère peut-être le porte-savon. Tu aimes mieux être sur le porte-savon? Bon, voilà. Bon, tu es bien sur le porte-savon? Oui. Bon, maintenant, rase-moi. Rase-moi! Il n'aime pas le porte-savon. Il n'aime pas le porte-savon. Non, c'est un rasoir. Il est peut-être cassé. C'est peut-être la prise de courant. Oh! J'ai cassé mon rasoir électrique. Je ne peux pas aller au bureau sans me raser. Je vais être obligé de me servir de mon rasoir de sûreté. Oh, je n'aime pas ça. Je me coupe toujours avec ce rasoir, moi. Enfin. Voyons ce que fait notre bandit. Il est toujours dans la salle de bain. Il fouille dans la pharmacie. Je me demande pourquoi le bandit Franco fouille dans la pharmacie. C'est louche, cacahuète. Tiens, il sort un rasoir de sûreté. Il veut tuer quelqu'un. Policier Quack, attention, un autre crime se prépare. Heureusement que je suis là, cacahuète. Il se mouille le visage. Il se met un peu de savon, un peu de savon, beaucoup de savon. Et cacahuète, il met du savon partout. Oh, c'est difficile de se raser quand on ne voit rien. J'ai mis le rasoir sur le porte-verre. Ah, là, là. Bon. Oh! Oh, je me suis déjà coupé, ça commence bien. Oh! Ah! Oh! Il est drôle, cacahuète, il se coupe partout! Qu'est-ce que tu regardes, Quack? Le bandit Franco, il se coupe partout! Ah bon? Quoi? Colin? Hop! Encore une fois! Laisse-moi regarder! Oh! Il y a du sang partout! Je veux la lunette! Oh, Colin s'est blessé! Je veux la lunette, cacahuète! Il faut l'aider! Picabord! Picabord! La lunette! La lunette! La lunette! Mais qu'est-ce qui se passe? Kalina, elle a pris la lunette! Colin s'est blessé! C'est pas juste! Il y a du sang partout! C'est moi qui regardais! Une minute, un seul à la fois! Oui, oui, un seul, c'est moi! Kalina, elle m'enlève la lunette, c'est pas juste, elle me l'avait prêtée! Silence! Oui, oui! Quoi? Silence! Alors, Kali? C'est à moi de parler! Colin s'est blessé avec son rasoir. Oh, c'est à moi! Il y a du sang! Regarde! Hey, oh,
C'est pas si grave que ça. Pas grave? Il y a juste un peu de sang. On m'enlève la lunette, c'est très grave. Arrête, Quack. Je peux pas être policier sans lunettes. Quack. Picabou, viens avec moi, nous allons aider Colin. Moi, je veux pas aider, je suis un policier. Quack, tu veux taire? Non. Quack, je vais te raser les plumes. Oh, oui, je me tais, je suis toutu. C'est mieux. Mais c'est pas juste. Picabou, viens avec moi. Voyons, Calinelle, ça ne nous regarde pas. Il faut se mêler de ses affaires. Il faut se mêler de ses affaires? Il faut se mêler de ses affaires. Colin s'est blessé. Je pense vraiment que c'est pas juste. Blessé, n'exagérons rien. Il y a du sang, tu as vu? Oui, il y a du sang partout. Picabou. Bon, si ça peut te faire plaisir. Vite. Est-ce que quelqu'un veut me faire plaisir? Qu'est-ce que tu veux, Quack? La lunette, cacahuète. Bien, voilà. Merci, je suis encore un policier, vite. Cacahuète. Ah, trois coups sans me couper. Ah, oh, j'ai parlé trop vite. Colin. Bonjour, comment ça va? Ne parle pas, Colin, ménage tes forces. Ah oui, pourquoi? Calinelle pense que tu es blessé. Ce ne sont que de petites coupures. Ça ne fait rien, il faut te soigner. Mouille ton visage et enlève tout ce savon. Mais je vais être en retard au bureau. Toi, Picabou, prends un torchon et essuie le sang qu'il y a partout. Torchon, je suis trop petit. Oh, c'est vrai? Eh bien, réduis la salle de bain. Quoi? Mais je suis pressé. Réduis la salle de bain et Colin aussi, comme ça je pourrai le soigner. Tu ne penses pas que tu devrais te mêler de tes affaires? Réduis! Oui, c'est plus drôle, catastrophe. Tout le monde est là. Le bandit Franco ne peut plus faire de crime. Un policier sans crime, c'est pas un policier. J'ai une idée, vive moi, j'ai toujours des idées. Je vais jouer des tours, ça c'est drôle, cacahuète. Et vous allez m'aider, on va jouer des tours à Picabou parce qu'il est pas gentil. Maintenant, je vais penser quel tour je vais jouer. Tu as du mercurochrome? Oui, dans la pharmacie. Picabou, fouille dans la pharmacie, donne-moi du mercurochrome. Colin, viens t'asseoir sur le couvercle des toilettes. Tu as du sparadrap? Non. Des pansements adhésifs? Non plus. Oh, ça ne fait rien. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Nous allons faire apparaître du sparadrap. Dites avec moi, sparadrap. Encore une fois, sparadrap. Plus lentement, sparadrap. Encore une fois, sparadrap. Ah, voilà le sparadrap. Et maintenant, les pansements adhésifs. Dites avec moi, pansement adhésif. Encore une fois, pansement adhésif. Encore, pansement adhésif. Encore, pansement adhésif. Ah, voilà, et voilà le mercurochrome. Nous sommes prêts. Picabou, prends un torchon et essuie le sang qu'il y a partout. Le sang? Où ça? Mais cherche. Nous allons faire apparaître du sang pour faire travailler Picabou. Ça va être drôle, cacahuète. D'abord, sur la cuvette des toilettes. C'est ça, sur la cuvette. Vous êtes prêts? Dites cuvette. Cuvette. C'est pas ensemble, ensemble, cuvette. Non, il n'y a pas de sang. Encore une fois, cuvette. Non, encore, cuvette. Encore, cuvette. Ça y est! Oh, ça saigne encore. Tu as du papier hygiénique? Non, je n'en ai plus. Il te manque beaucoup de choses. On ne parle pas aux blessés. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Il me faut du papier hygiénique. Dites avec moi, papier hygiénique. Encore, papier hygiénique. Encore une fois, papier hygiénique. Ah, le voilà. Je ne trouve pas de tâche. Cherche mieux. Tiens, là, sur la cuvette. C'est drôle.
Il me semble que j'avais regardé. Les garçons, ça regarde toujours mal. Oh, et puis, je pense que je vais aller soigner Colin dans la salle de travail. Tu viens, Colin? Vite, les amis, ils s'en vont. On va tirer la chasse d'eau. Dites, nous tirons la chasse d'eau. Nous tirons la chasse d'eau. Encore, lentement. Nous tirons la chasse d'eau. Calinelle, tu as tiré la chasse d'eau? Non. Ben, moi non plus. Personne n'a touché à la manette? La manette, non. Et le réservoir ne s'est pas vidé tout seul. Laisse faire le réservoir et fais le ménage. Tu viens, Colin? C'est drôle. Oh, il doit y avoir du couac là-dessous. C'est drôle, drôle, Cacahuète. Vite, on va faire apparaître une autre tache sur la carpette. Dites carpette, carpette. Encore carpette. Encore une fois, Cacahuète, carpette. Voilà, j'ai fini mon ménage. Hé, hey, d'où vient cette tache? Oui, 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 oui. C'est drôle! Allons, les amis, on fait apparaître une autre tache sur la balance. Dites balance. Ensemble, balance. Encore, balance. Encore, balance. Vite, 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 vite! Une autre sur le porte-serviette. Dites porte-serviette. Porte-serviette. Encore, porte-serviette. Encore une fois, porte-serviette. Voilà, j'ai terminé. Je vais accrocher mon torchon au porte-serviette. Hé, hey, le porte-serviette est couvert de taches. La balance aussi. Oui, 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 oui. Je commence à comprendre. Quack me joue des tours. Je reviens tout de suite. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce n'est pas possible, je ne vais pas aller au bureau comme ça. Tu vas m'écouter. Dès que Picabo sera de retour, il te redonnera ta taille et ensuite au lit. Mon patron? Laisse faire ton patron. Au secours, au secours, c'est pas juste, catastrophe, Calinelle! Ton oiseau à la tête creuse s'amusait à faire apparaître des taches dans la salle de bain. C'est pas vrai, Toto Wolf, j'ai pas la tête creuse. Quoi? Tu as fait apparaître des taches? J'ai pas la tête creuse. Quoi? Calinelle t'a posé une question. Tu veux pas que je mange des cacahuètes? Tu veux que je mange de faim? Tu mangeras quand tu auras nettoyé la salle de bain. Toute la salle de bain? Oui. Calinelle! Si tu as fait apparaître des taches... Je nettoyais avec un torchon. Oui. Mmh. Moi, le très, très grand couac premier avec un torchon. Oh. Oui, oui. C'est pas juste, c'est pas juste. Pauvre couac. Je suis pas pauvre, cacahuète. Je suis plein d'idées. Oh. Pas vrai, les amis? Je suis insultée. Me dire ça à moi. À quoi ça m'aura servi d'aller à l'université, au collège, à la maternelle? Heureusement que j'ai pas suivi les cours. J'enrage. Ce Milly Malpoli l'emportera pas en terre. Me traiter de sans dessin, moi, le meilleur dessinateur, le plus grand peintre. Sans dessin. Je veux plus le voir. Vous voyagez par train, bateau, autobus, automobile? La plupart du temps. Vous avez inventé l'avion depuis plus de 60 ans? Oui. Je ne vous comprends plus. Ah non? Vous en avez encore pour longtemps. Encore une minute, Calinelle.
Je voudrais expliquer à Picabeau le fonctionnement du turbo-train. Oh, ces discussions qui ne mènent nulle part, c'est ennuyeux. Nous terminons, Caninelle. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir, Picabeau? Vous construisez des voies ferrées, des gares, des autoroutes, des ponts. C'est beaucoup plus simple en avion. Ce n'est pas la même chose. Pour traverser une rivière, vous construisez un pont. Oui. Tandis qu'en avion, vroom. Le train sert à relier les villes. Ah, c'est vrai. J'oublie toujours. Et ça dure depuis des heures. Qu'on ne vienne pas dire que les filles sont bavardes. Sans dessin, je vais lui en faire, moi. Je vais le dire à Caninelle. Turbo-train, chemin de fer, avion. Après, ce sera les bateaux, les maisons. On n'en sort plus. C'est pour ces raisons que le chemin de fer est un excellent moyen de transport pour nous. De vrai commerce. Au début, plusieurs personnes se sont opposées au chemin de fer. Ça n'a servi à rien. Ça suffit, j'en ai assez. Je t'ai préparé un dessin pour montrer le moteur à explosion. Ça va t'aider à comprendre. Ah, toujours des moteurs, des machines. C'est tout ce qui intéresse les garçons. Heureusement que je suis une fille. Non. Voyons, qu'est-ce qui se passe, Quack? Une fois non, 10 fois non, 100 fois non. C'est tout? Millions de fois non. C'est tout? Millions de fois non. Ce n'est pas beaucoup. Il te faut apprendre à compter. Ça suffit, calmez-vous. Je suis calme, mais je ne permettrai pas à ce chien pour attention. Calme. Je suis calme. Bon, pourquoi vous disputez? Le problème, c'est lui. Ça m'étonne. C'est vrai, Milly? Tu vois, il ne répond pas. Je veux prétentieux. J'étais occupée. Je cherche à se donner de l'importance. Mais vas-tu te taire à la fin et lui permettre de s'expliquer? Comment peux-tu me parler sur ce ton, ma petite Cali? Laisse-le parler. C'est pas juste. Pas juste. J'étais occupée à étendre mes connaissances. Il fera mieux d'étendre son linge. En anatomie. Anatomie. Fou, c'est un fou. J'étudiais sagement les différentes parties du corps humain. Il m'a traité de sans dessin. Je voulais dire ignorant. Oh! Lorsque cet ignorant est arrivé... Ignorant. Cet ignorant a commencé à m'agacer. Menteur. Quack. C'est vrai ce que dit Milly? Agacé? Toujours est-il que cet ignorant n'a pas cessé de m'agacer et de commettre des erreurs. Il s'est trompé, je l'ai corrigé. Monsieur Ducouac devrait se méfier de sa cervelle d'oiseau. Cervelle de moineau toi-même! Je les connais mieux que toi, les parties du corps humain. C'est à voir. C'est tout vu! Bec à parole. Oh, t'as entendu, Cali? Il m'a appelé bec à parole. Quack, arrête de pleurnicher. Tiens, je vais te donner l'occasion de montrer tes connaissances. Nous allons voir lequel de vous deux est le plus savant. C'est moi le plus savant. Nous allons faire un concours. Bravo, un concours. Qu'est-ce que c'est, un concours? Je vous pose des questions. Celui qui répond mieux est le plus savant. Milly voudra jamais faire le concours avec moi. Tu es d'accord, Milly? Je suis prêt. Je parie mes lunettes fumées. De soleil. Mes lunettes fumées de soleil. Lunettes de soleil. C'est ce que je voulais dire, Magasagino. Moi, si je perds, je serai le serviteur de Quack pendant une semaine. C'est parfait. Je commence. Soyez bien attentifs. Et dites-moi ce que je vous montre là. Le nez. Ah, Pidagino, ça commence mal. Qu'est-ce que je cache à présent? Les yeux. Digotigoto, c'est pas juste. Cacahuète de rapidagino, de précipitagino. Et maintenant? Pattes. Non. Milly a quatre pattes, tu vas trop vite. Prends ton temps pour répondre, c'est dans ton intérêt. Ta réponse, Quack? Les amis, si vous vouliez m'aider, seulement un mot. J'ai annulé la question. Encore 3 secondes. Une jambe. Jambe. Tu prononces mal, Quack. Il faut dire jambe. Très bien. 3 perdus, ça va mal. Prononcez bien, sinon j'ai plus de lunettes. Monsieur Quack va perdre ses lunettes. Ses très, très belles lunettes. Tu m'auras pas ignorant. Je continue. Regardez, Caninelle. Il m'agace. Il pense m'agacer en m'agaçant. S'il vous plaît, Quack. Bon,
Mais les trois points, quoique zéro. Ah, ah. À présent, regardez bien. Bouge. Ah, bravo, mon petit couac. Il est là qui me fait plaisir. L'espèce de tricheur. Tricheur? Attends, attends, Talinel, il me traite de tricheur parce que j'ai la bonne réponse. Il voudrait que je le laisse gagner sans rien dire, mauvais perdant. Couac, ne recommence pas. Attention. Jambes. Ha ha, deux points pour moi, j'ai gagné. Cuisse. Milly, quatre points, couac, un point. Oh, c'est pas juste, j'ai dit jambes. Mais non, ça c'est la cuisse. Ha ha. Tu penses trop, espèce de Milly, pense trop. Point. Très bien, Milly. Ne tenez pas les ailes devant les yeux, couac. Cacahuète de cacahuète, quand je t'aurai battu. Encore? Tu vas laver le plancher, cacahuète. Qu'est-ce que je lève en l'air? Locomotive. Lavez, ciré. Je m'excuse, mon circuit est défectueux. Je me répare. Vite, la réponse. Aidez-moi, les amis. J'entends mal, plus fort. Bras, c'est ça. Merci, les amis. Bras. Milly, 5 points, couac, 1 point. Allez, couac, venez fort. Je suis réparé. T'aurais pu être... Faites-tu plus longtemps? Il faudrait peut-être que je lui donne une chance. 8e question. Qu'est-ce que j'agite? Les doigts. Très bien, mon petit couac, très bien. Je suis savant, très, très savant. Et maintenant? Allons, monsieur couac, on ne répond pas? Une cacahuète de grande oreille. Je vais t'en manger un morceau, c'est pas juste. Au secours, les amis, je vois rien. Qu'est-ce que c'est? Vite, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est la carotte? Tu ne prononces pas bien. J'entends mal. Tête? Ah, tête. J'ai compris. Tu as la chance d'être aidée. Et pour mieux entendre... J'ai trouvé, c'est facile, oui, oui. Eh bien, donne la réponse si tu la sais. Tu me casses les... Oreille! C'est ça, une oreille, je le savais, je gagne, je suis savant. Mais imaginons 5 points, quoique 5 points. Ça devient plus intéressant. Je connais quelqu'un qui va perdre ses belles lunettes. Tu vas peindre les murs, réparer le poêle, ramener la cheminée. Qu'est-ce que je touche à présent? Épaule. Il n'y a pas le droit, je le savais. Je me suis fait mal au... Talon. Encore, Milly, malpolie. Tu me laisses même pas répondre. Tu vas m'enlever mes lunettes en trichant. Moi, tricher? C'est pas juste, c'est pas juste. Comment appelez-vous ceci? C'est facile, je le sais, c'est le bras. Drôle de bras. Prends ton temps pour répondre, c'est dans ton intérêt. Arrêtez ce que vous dites, les amis, c'est le coup. Mais non, c'est pas le coup, plus fort. Ah, c'est ça, le coude. Voilà, couac, tu me fais plaisir. Donne-moi encore une chance, Milly Chansino. Si tu veux. Et ça. Oh là là, pauvre ça. Couac, c'est pas juste, qu'est-ce que c'est? Je te donne une chance. Allez, vas-y, réponds. Les amis pourraient m'aider. Je suis si malheureux. Aidez-moi à garder mes lunettes. Qu'est-ce que c'est, les amis? Comment? C'est là? La main! Merci. Je vais garder mes lunettes, mes belles lunettes. Attention, mais imaginons 7 points. Quoi? 7 points. Il ne reste qu'une question. Émilie, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aurai. Tu vas travailler sans arrêt, cacahuète. Je m'appuie sur un... genou. Oh, cacahuète de rapide à genoux, il parle trop vite, c'est pas juste. Voici les résultats. Milly Maginot, 8 points. Couac, 7 points. Le vainqueur, c'est Milly Maginot. C'est fini. C'est tout à fait terminé. Le savant Couac va perdre ses belles lunettes de soleil. T'as triché! Les lunettes. Galinelle, il a triché. Si tu es savant, tu gagneras la prochaine fois. Le vainqueur attend sa récompense. Bien, voilà. Merci, monsieur Ducouac. Catastrophe, il faut faire quelque chose. Je vais pas me laisser enlever mes lunettes sans rien dire. Couac, c'est le moment de montrer que t'es intelligent. Me parles-tu, Couac? Mes lunettes!
Je ne les ai pas, tes lunettes, quoi. Je peux pas vivre sans mes lunettes. Tu les as perdues. C'était l'enjeu du concours, quoi. Oh, j'aime mieux mourir. Voyons, quoi, que tu les as perdues. Tu les as perdues, c'est tout. Sans mes lunettes, je suis pas beau. Tu te moques de moi? Tu vas plus m'aimer. Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Le soleil me rendra aveugle, et si je suis aveugle, je pourrai plus dessiner. Oh, tu ne m'aimes plus. Voyons, quoi? Tu veux plus de moi. Qui sait si t'as pas pensé à me congeler comme les psys ou à m'empailler? Où vas-tu? Me noyer dans les larmes. Je ne vois rien. C'est encore un mauvais tour de couac. Comment peut-il vivre les deux yeux bouchés? Incapable. Incapable de porter des lunettes de soleil. Je voudrais pas être un chien pour une mère de cacahuètes. Oh! Je vois. Enfin, je vois. Quelle idée aussi de participer à un concours dont l'enjeu est une paire de lunettes. Il faut que je m'en débarrasse au plus tôt. Nous partons, Calinel. Viens-tu avec nous? Déjà? Nous nous excusons du retard, Calinel. Pas besoin de vous excuser, c'est vous qui avez raté le concours. Quel concours? Il fallait me suivre. Nous te suivons, Calinel, et tout de suite. Cachons-les bien. Quand je disais que Milly était un ignorant, cacahuète, il cache les lunettes presque sous mes yeux. Il voudrait que je les trouve, qu'il s'y prendrait pas autrement. Cacahuète, que la vie est belle. Pauvre couac, il pourrait gagner de temps en temps s'il parlait mieux. Il a dû en faire une tête quand il a vu Milly lui prendre ses lunettes. Cacahuète de cacahuète, vous avez vu? Qui est le plus fin, le plus intelligent, le plus beau? Sûrement pas toi, couac. Milly a encore rien vu. Pas très intelligent, ce chien-là. Faudra que je lui montre. Il n'a rien vu. Il est trop occupé à parler. Il n'a même pas remarqué que ses lunettes l'empêchent de voir. Ces calculs sont exacts. Voyons, imaginons, sois sérieux. Je suis toujours sérieux. Ces calculs sont parfaitement exacts. Je suis un avion, cacahuète! Un gros avion, vent! Qu'est-ce qui se passe, Picabo? Je ne sais pas. On dirait qu'il va pleuvoir. En plein jour, sans avertissement? Regarde, le ciel est couvert de nuages. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Le temps se gâte, il va faire mauvais. Sur la Terre, les hommes ne doivent pas savoir comment contrôler le temps. C'est probablement ça. De toute façon, il vaut mieux entrer avant que la pluie ne tombe. Oui, les gouttes d'eau doivent être très grosses ici. Je vais chercher quoi? L'avion géant part en voyage! Quack! Quack, où es-tu? Dites, les amis, vous avez vu Quack? Oui? Où est-il? Où? En voyage? Quack est en voyage?
Je suis venu voir si les nuages t'ont fait mal. Ce n'est pas drôle. Alors viens, tu vas te faire mouiller. Quoique n'est pas là. Oh, ça ne fait rien. Il a tellement peur de l'eau, à la première goutte de pluie, tu vas le voir rentrer. Vite, je sens le vent dans mes ailes. Je suis brave, moi. Je suis un avion qui a pas peur. Oh, au secours, je vole, catastrophe. Je ne peux plus être un avion. À moi, Kalina. Au secours, au secours. Oh, catastrophe. Nous allons avoir un orage. Il vaut mieux fermer la fenêtre. Un orage en plein jour? Pourquoi pas? Regarde comme le temps est sombre. Sur la Terre, vous ne contrôlez pas le temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Sur Auralie, le temps est contrôlé. Il ne pleut que la nuit, pendant que les gens dorment. Sur la Terre, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce que c'est? Ce bruit? Ah! C'est un coup de tonnerre. Coup de tonnerre? Mais oui. Il n'y a pas de tonnerre sur Auralie. Qu'est-ce que c'est, Picabo? Je ne sais pas. Attends. Dites-moi, les enfants, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le quoi? Le tonnerre. Je ne connais pas ça. Et cette lumière, qu'est-ce que c'est? Un quoi? Je vous entends mal, plus fort. Un éclair. C'est ça, un éclair. Je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait demander à Colin. Est-ce dangereux? Le tonnerre? Non, ce n'est qu'un bruit. Et l'éclair? Si tu es dans la maison, ce n'est pas dangereux. Mais si tu es dehors et que tu t'abrites sous un arbre, là, c'est dangereux. Je vais prévenir Picabo et Kalinel. Dis-leur de rester dans la maison durant l'orage. J'y vais. Oh, j'aime l'orage quand je suis dans la maison. Il tonne, j'adore ça. Il vente plus fort que sur Auralie. C'est difficile d'avancer. J'aime ça, les éclairs. Allez, nuages, éclairez, cacahuètes. Faites des éclairs. C'est beau lorsque le temps est sombre. Quack, mon ami Quack. Où êtes-vous? Il vente de plus en plus fort. Je n'aime pas cet orage, Picabo. On devra aller chez Colin. Il vente trop fort. Un coup de vent pourrait nous emporter. Quoique n'est pas revenu. Quack, mon petit ami Quack. Où êtes-vous? Quack. Es-tu malade, Quack? Quack! Millie, toi, genoux! Très cher Quack! Au secours! Es-tu malade, Quack? J'aime pas la température, catastrophe! On ne dit pas température, Quack! Ça fait rien, j'aime pas ça, cacahuète! Qu'est-ce qu'on dit? Je veux m'en aller! Qu'est-ce qu'on dit à la place de température? Je le sais pas, je veux m'en aller, catastrophe! Dites-lui, les amis! Bon, mais on s'en va après! Qu'est-ce qu'on dit? Temps? Ah oui! Beau temps, mauvais temps! Alors? Temps, Millie Gros Gigot! J'aime pas le temps! On s'en va! C'est un temps de chien! Moi, j'aime ça! Au secours! C'est un bel éclair! Je veux m'en aller! Magie bobo! Cher Quack, je t'aime! Je veux... Quack? Je t'aime! Il est fou, catastrophe! Millie Gros Nounou est fou! Au secours! C'est un drôle d'orage. Il ne pleut pas. Avec tous ces nuages, ça ne devrait pas tarder. Qu'est-ce que c'est? Bouge pas, je vais voir. Attention, Kalinel, il vente très fort. Reste là. Retourne au salon, tu vas te faire mal. Attention!
fermer cette porte. Le vent va démolir la maison. Il faut trop fort, on n'y arrivera pas. Peut-être que avec la magie du mot. Le vent est trop fort pour l'arrêter. Oui, mais on pourrait le diminuer si les amis nous aidaient. Je vais essayer. Les amis, allez, dites vent, souffle moins fort. Encore, vent, souffle moins fort. Ça va, le vent a diminué. J'y vais. Attention. J'ai t'aider. Ce n'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Quel orage! Il pleut à verse. Les gouttes de pluie sont énormes. Cacahuètes de catastrophe! La pluie va nous emporter! Tu veux des cacahuètes? J'ai pas faim! Je veux m'en aller! Tu veux faire un tour de soucoupe? Non, non! C'est complètement fou! Il pleut trop fort pour la maison des Euraliers. Je fais mieux d'aller voir. Imperméable. Je ne vais pas sortir sans mon imperméable. Avec une pluie pareille, je vais être trempé jusqu'aux os. Imperméable. Ah. Voilà. Mon parapluie. Où ai-je oublié mon parapluie? C'est vrai? J'oublie toujours mon parapluie quelque part. Pour se protéger de la pluie, rien ne vaut un parapluie. Ah! Il faudrait que j'aille vendre quelque chose pour ne plus oublier mon parapluie. C'est ce que je pensais. Le grenier est inondé. Il traverse. Il faut qu'il cesse de pleuvoir. Sinon, tout va être mouillé dans la maison. Si on essayait la magie du mot. Il faudra beaucoup de puissance. Mais si tous les amis nous aident. Je vais essayer. Les amis, écoutez-moi bien. Il faut qu'il cesse de pleuvoir. Sinon, votre maison va être inondée. Il nous faut beaucoup de puissance. Il faut que tout le monde répète qu'il cesse de pleuvoir. Vous avez compris? Qu'il cesse de pleuvoir. Attention. Un, deux, trois. Qu'il cesse de pleuvoir. Ça ne marche pas. Il faut plus de puissance. Il faut que tout le monde répète. Allons-y. Qu'il cesse de pleuvoir. La pluie diminue. Encore une fois. Qu'il cesse de pleuvoir. Il ne pleut presque plus. Une dernière fois. Qu'il cesse de pleuvoir. La pluie a cessé. Bravo. Ce n'était pas facile. Si on arrêtait l'orage maintenant. Crois-tu vraiment? On peut toujours essayer. La pluie a cessé. Il ne vente presque plus. Je vais essayer. Vous êtes prêts, les amis? On dit, orage, calme-toi. Attention, orage, calme-toi. Encore une fois, orage, calme-toi. Le soleil est revenu. Qu'est-ce qui se passe? Brusquement, il fait soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Ah, c'est Colin. Il est trempé jusqu'aux os. Il venait probablement nous donner un coup de main. Pauvre Colin, il est gentil. Si on l'aidait. À quoi penses-tu? Il est tout trempé. Ah, je comprends. Vas-y. Les amis, Colin a reçu beaucoup de pluie pendant qu'il faisait mauvais. Nous allons enlever la pluie, d'accord? Bon. Vous répétez avec moi, ne sois plus trempé. Vous avez compris? Ne sois plus trempé. Attention, ne sois plus trempé. Encore une fois, ne sois plus trempé. Non, le petit bonhomme, je ne suis plus trempé. Je ferais mieux de rentrer à la maison. Ah,
Colin ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'est pas habitué à la magie du mot. C'est drôle. Et on va lui expliquer. D'accord. Non, ce n'est pas possible. Bonjour, Colin. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie dans la maison? Mon parapluie? Excusez-moi, je pensais à ce qui venait de m'arriver. Je n'ai même pas ôté mon imperméable. Mais c'est la magie du mot. On a voulu t'aider. Avec les amis. Ah, oh, je comprends maintenant. Oh, c'est quoi? J'y vais. Kalina. Kalinel! Ouais, qu'est-ce que tu as? Je suis trempée, Kalinel! Tu veux dire trempée? C'est ça, trempée! Je suis trempée! Mais tu me sembles pourtant bien sec! Magie gros nounou est fou, complètement détraqué! Quack! Mon beau Quack chéri! Où est passé mon bel oiseau? Cacahuète, il est parti! Je vais le chercher! Attention, je pars! Des étoiles? Non. Des éclairs? Un orage? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé. Je vais rejoindre les autres. C'est vrai, Picabo, mais les gros nounous, ils fou. J'ai peur, il va m'embrasser. Quoi, qu'est-il malade? Il dit que tu l'aimes. C'est beaucoup dire. Tu vois quoi, que Milly Maginot ne t'aime pas? C'est pas vrai, Cacahuète, tout le monde m'aime. Oh. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est un arc-en-ciel. Un arc pour jouer aux Indiens? Oh, Cacahuète, j'aime ça. Mais non, Quack. Un arc-en-ciel, pas un arc. Oh, alors, j'aime moins ça qu'arc-en-ciel. Dans un château hanté. Il n'y a aucun danger. Je suis déjà venu avec Colin. Ça ne prouve rien. Il m'a expliqué que c'était comme ça dans tous les greniers. Allons voir le coffret dont tu m'as parlé. Il est là. Oh, c'est un gros coffret. Il est plein de vieux bijoux. Viens. Nous ne réussirons jamais à l'ouvrir. Nous allons demander aux amis de nous aider. Oui. Hein? Les amis, répétez avec moi. Coffret, ouvre-toi. Encore une fois, coffret, ouvre-toi. Tu as vu les pendants en or? Oh, bah, que c'est beau! De vieux colliers, de vieux bracelets, des brillants. Tout ça appartenait à la grand-mère de Colin. Les vieux colliers ont souvent plus de valeur que les neufs. Ouais. Disons que c'est intéressant. De toute façon, je ne rougirai pas de les porter. Tu veux les essayer? Est-ce qu'on peut? Fais attention, le fermoir est brisé. Il faudra me le réparer. Oh, tu n'as pas besoin de fermoir, tu l'attacheras avec un fil. Ce que tu peux être paresseux. Bon, je vais te le réparer, ton fermoir. Viens. Je t'offre une chaînette en or et tu la refuses. Je veux un collier en plastique, Cacahuète. Mais tu ne connais pas la valeur de l'or.
cet anneau que j'ai au doigt est en or. J'aime mieux les colliers en plastique, cacahuète, c'est mon droit. Demande à n'importe quel bijoutier, il te dira qu'une chaînette, ça vaut très cher. J'aime pas ça, des bijoutiers cacahuètes. Le plastique, c'est plus économique et plus pratique. L'or, l'argent, ça te laisse indifférent, toi. L'or, l'argent, on voudrait toujours que j'aie les mêmes goûts que les autres. C'est pas juste, cacahuète. T'es pas obligé de me disputer parce que j'aime le plastique. Mais je ne te dispute pas. Je trouve que tu es bête et je te le dis. Oh, il trouve que je suis bête. Il trouve que je suis bête. Je suis pas si bête que ça, n'est-ce pas, les amis? Ah, tu vois, les amis trouvent que je suis pas bête du tout. Les couacouas, c'est pas des bêtes, c'est des oraliens. Ah, ma petite Cali, tu te rends compte? Je viens lui rendre visite chez lui, jusque dans sa maison, et il m'insulte. Moi, ton petit couac bien-aimé. Enfin, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce qui est dit, cacahuète. Si tu n'aimes pas ma chaînette, je la reprends, c'est tout. Si je trouve un collier en plastique, je te l'offrirai. Non seulement il m'insulte, mais en plus il veut m'enlever ma chaînette. Aussi bien m'enlever le cœur, cacahuète. Mais tu viens de la refuser. Je ne l'ai pas refusée, j'ai dit je veux un collier en plastique, c'est pas la même chose. Quelle est la différence? On va demander aux amis de nous aider à changer la chaînette en collier, c'est tout? C'est tout. Les amis, répétez avec moi, chaînette disparaît. Encore une fois, chaînette disparaît. Bravo! Et maintenant, tous ensemble, beau collier de plastique apparaît. Encore une fois, beau collier de plastique apparaît. Voilà! Bravo! Du plastique. Du vrai, vrai plastique authentique. Oh. Un autre anneau. Encore une bague. Des boucles d'oreilles. Une broche remplie de brillants. Des pendants d'oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça, Picabo? Ce sont des médailles. Des médailles? La grand-mère de Colin était très forte en français. Tous les ans, elle gagnait la médaille du bon parler français. Colin parle très bien le français. Pourquoi ne les porte-t-il pas? Tu imagines Colin avec le veston rempli de médailles? Ce serait drôle. Oh! Le fil s'est cassé, tous les grains sont tombés au fond du coffret. Et tu les enfileras à tes moments perdus, en jouant à la madame. Je veux bien enfiler les grains et réparer le fil, mais alors, je garde le collier. Ah, pour ça, il faudra demander à Colin. Tu veux y aller à ma place? J'en profiterai pour me faire belle. Oh, une jeune oralienne parée des bijoux d'une vieille grand-mère. Ça va être horrible. J'ai hâte de voir ça. Picabo, tu manques de politesse. Tu y vas, oui ou non? Oui, j'ai laissé quoi trop longtemps avec Colin. J'y vais. Un vrai trésor. Vous avez vu? Dites-moi, les amis, si vous aviez à choisir, qu'est-ce que vous préféreriez porter? Un médaillon ou une broche? Vous n'êtes pas d'accord? Moi aussi, j'hésite. Je vais aller les essayer devant le miroir. Tu veux voir des pierres précieuses? Je vais t'en montrer. C'est pas des pierres précieuses, cacahuètes, c'est des bagues. Ouais, je sais, mais regarde ici. Ce sont des pierres précieuses. Je regarde, cacahuètes, j'arrête pas de regarder. C'est rien que des brillants. Hey, ça, c'est un diamant et ça, un saphir. Ce ne sont pas de vulgaires brillants. Le diamant et le saphir sont des pierres précieuses? Oui. T'as vu, Picabo? Oui. Et t'as remarqué les pierres? Comment ça s'appelle, cacahuète? Aidez-moi, les amis, les pierres... Comment dites-vous? Précieuses, les pierres précieuses. Oui, oui, c'est ça. Si c'est des pierres précieuses, Picabo, oui, c'est oui. Que c'est précieux. Oui.
Ce sont des pierres précieuses. Oui, mais pourquoi me dire ça, moi? Pour que tu demeures pas ignorant toute ta vie, Cacahuète. Merci, je m'en souviendrai. Pourquoi les pierres du jardin sont pas précieuses? Un vrai savant. Parce que les pierres du jardin ne sont ni rares ni belles. Tu as fini d'embêter Colin. Il ne me fatigue pas. Picabeau, Colin, venez vite. Il y a un psy dans la maison. Quoi? Où? Je ne sais pas. As-tu vu? Non, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un psy? Il se passe des choses étranges. Nous y allons. Surveille bien et empêche-le de sortir. Un psy? C'est effrayant. J'ai peur. Il va me donner des chocs. Je veux pas y aller, Cacahuète. J'aime mieux mourir encore une fois. C'est pas juste. Les psys ont pas le droit de sortir de la soucoupe sans permission. Ne t'inquiète pas, mon couac. Tu vas rester ici pendant que nous allons nous occuper du psy de Calinel. De Calinel? Oui. Nous sommes allés au grenier tout à l'heure. Elle a eu un peu peur et... Elle s'imagine avoir vu un psy. Nous verrons bien. Et alors? Il y a un psy dans la maison. Un énorme psy ou un tout petit psy? Tu ne me crois pas. Picabeau blague un peu, c'est tout. Touché à ce médaillon. Wow, ce coffret n'a rien d'anormal. Touche à ce médaillon. Oh! Oh, Caddy a raison. Il faut aller chercher Millie Maginot. C'est électrisé. Je ne vois pas Millie Maginot. Il faut le trouver. Je vais voir si les autres bijoux ont été électrisés. Oh! Attention à ces boucles d'oreilles en argent. Vous pouvez vous électrocuter. Ah, et cette croix en or? Oh! Oh, ça réveille! Cet anneau et ce médaillon pourraient servir à alimenter en électricité 15 ampoules électriques. Ah, curieux. Ni cette croix ni cette broche ne sont électrisées. La croix est en bois et la broche en plastique. Le bois et le plastique ne s'électrisent pas. Si on répétait coffret, l'électricité s'en irait peut-être? Nous nous occuperons du psy ensuite. D'accord! Les amis, répétez avec moi, coffret. Ouh. Encore une fois, coffret. Ça a marché. On a oublié cette bague. Oh. Ouch. Ouh, Cali a raison. Les amis, répétez avec moi, bague. Ensemble, bague. Oh. Encore une fois, bague. Ça y est. Maintenant, occupons-nous du psy. Oh. Aïe. Oh. Tu as peur du psy? De quel psy parles-tu? De. Mais où est-il? Je sais pas. Aïe, dans la maison. Ici? Dans la maison, par ici. Dans. J'ai compris. J'y vais. Dans. Trop tard, il est parti. Il est là. Dans le réfrigérateur? Oui. Je vais le Un pendentif! Il a un pendentif! Comment le lui enlever? Oh! Les amis, répétez avec moi, psy, le pendentif. Ah, bravo! Maintenant, Minou Maginot, je te laisse. Ouais, un psy de moine dans les provisions. Oh, regardez-moi ce pendentif. Il est tordu. C'est l'électricité du psy qui a fait ça. Ah, c'est un souvenir auquel je tenais. Peut-être qu'un bijoutier pourra te réparer. Oui, peut-être. Tu m'as dit que vos bijoutiers sont très habiles. Ils le sont, mais un bijoutier, c'est un bijoutier. Il demeure un bijoutier. De toute façon, ce n'est pas grave. Faisons sortir Millie Maginot. Il a dû se régaler. Pendant que vous vous occupez de Millie Maginot, je vous prépare une surprise. Oh. Hé! Personne? Mais où peut-il être bien passé? Venez au salon! Hé!
pas si mal. Oh, j'ai jamais vu autant de croix, de broches, de médailles, de colliers et de bracelets sur une même personne. Vous ne trouvez pas ça chic? Chaque bijou est bien mis en valeur. J'aime beaucoup la broche. Tu deviens fou? Je n'ai jamais rien vu d'aussi laid. Picabour! Tu exagères. Et ces pendants d'oreilles qui pendent partout. Les pendants d'oreilles? Je ne savais pas où les mettre. C'est très original. Original? Non, mais ça va pas. Ce mélange d'or, d'argent, de pierre, tu trouves ça original? Mais je ne déteste pas ça. Tu vois? Et ce collier, il lui manque la moitié des grains. Oh, vous n'allez pas vous quereller pour quelques grains de collier, un médaillon et je ne sais plus trop quoi. Ça a l'air d'une vitrine. Puisque c'est comme ça... Galinelle est fâchée. Milly, où étais-tu passé? Je m'étais changé en livre de beurre. En livre de beurre? En effet, j'ai joué un moment avec le psy. Le psy est encore vivant? Ne t'inquiète pas, Quack. Milly lui a arrêté son compte. Il n'y a plus de danger, c'est sûr. Sûr? Mais en quoi es-tu déguisée? Je suis déguisée en chanteuse d'opéra, Cacahuète. Les psy n'aiment pas ça, les chanteuses d'opéra. J'ai pensé qu'ils n'oseraient pas s'approcher de moi habillée comme ça. Parce que moi, quand je chante fort, Cacahuète. Oh. J'arrive au même Reviens-moi. Ça y est, il a cassé les vitres. Je bouche les yeux pour ne plus entendre. Oh, il a des trachémies, imaginons, avec son enfant.